Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends au petit matin, dehors, avec les trois enfants. On va au centre à pied pour aller chercher de quoi manger ce matin. Baguette, croissant, pain au chocolat, les enfants sont en vélo, enfin les garçons. Moi, poussette avec la puce. Allez Amaury, avance. Il fait un temps magnifique, un peu frais, mais on est le matin, il est 9h, c'est un petit peu normal je pense. Mais c'est super, une belle journée ça hein, qui s'annonce, il n'y a pas un nuage, c'est super. Tout à l'heure j'avais vu un nuage, mais... C'est des micros quoi, il y en a même, non il n'y en a pas. Hein. Ah, c'est Center Park, il y a une base nautique, je pense que c'est pour faire du bateau, il y a plein de choses à faire, c'est vraiment à côté. Vous voyez, le thème, c'est un peu le... Ça fait un peu village canadien, c'est vraiment sympathique. On sera vraiment dans un petit village, avec toutes ces petites maisons là, de toutes les couleurs, c'est vraiment trop beau. Et on vient de croiser des canards tout au bord de la route, la Maury, il est vraiment pas loin. Tu vas aller les voir? Descends du vélo. Ouh, qu'est-ce que je filme là, voilà. Ah bah ils ont eu peur, ils sont partis. Bon c'est pas grave. Allez, on est bientôt arrivé, on va aller prendre le petit déjeuner. Il est 10h, on est rentré, on a pris donc 3 pains au chocolat, un croissant. Le croissant, c'est pour moi. Une baguette pour ce matin et puis la journée. La puce est déjà petit déjeuner. Moi, je suis en train de préparer pour les garçons les jus de fruits. Et on a pris aussi... Hop, elle doit être bien fermée. Je vais vous montrer ce qu'on a pris pour le dessert ce midi. Oui, le jus de pomme. Je vais pas l'ouvrir. Donuts, fraises et chocolat. Oula. Une tarte citron meringuée et une souris. J'ai goûté pour la première fois, ça a l'air trop bon. Hop, petit plaisir du matin. Les canards, ils sont juste devant les maisons là. Et les canards, ils se promènent. Hop, ils sont cachés. Si, regarde, ils ressortent. Regarde là, Maxence. Regarde. T'as vu ? Ils sont juste à côté. Bah oui, ma puce. Les canards, ils sont juste à côté de nous. C'est trop mignon. Cette fois, on n'a pas oublié les brassards. Non, là, il est 11h. On arrive à l'Aquamundo. On est venu en vélo. On est en train de les ranger. Oui. Bah oui, ça c'est une partie dedans et il y a une partie dehors là-bas. Ouais. On peut y aller tout. On va y aller, on a pris les brassards aujourd'hui. Oui, on pourra plus faire de choses. Oui, c'est ça, tranquillement. Hein, monte, oui. On est bon. Oui. Oui. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. Lâche. C'est parti. On va à la commando. Le service technique qui est venu au cottage juste avant qu'on parte, parce qu'Amaury... il a eu un petit accident cette nuit, il a fait pipi au lit. Donc on avait tout qui était trempé, les draps, le matelas. Ils nous ont tout changé, on est vraiment très contente du service rendu. Je tenais à le signaler. Oui ma puce, il est... Quelle heure là, 1h moins 10 à peu près. La petite séance piscine est terminée. Alors on a profité un maximum. On a fait tous les toboggans qu'on a pu avec les enfants, même la puce avec moi. Franchement, c'était trop bien. C'est bon, j'ai rien oublié. Donc la puce est en poussette. Papa est parti chercher de la semoule parce qu'en fait, on a oublié en partant de la maison la semoule. Alors qu'on prévoit des repas avec de la semoule. Donc on va aller acheter de la semoule et puis on va manger ça tranquillement. Sieste cet après-midi pour les enfants. Et puis. Piscine ce soir. Oui, t'as perdu pied là. Vas-y, voilà. Alors, il fait beau? On est content? On a un soleil et un ciel magnifique. C'est trop super. Des bonnes vacances qui font vraiment du bien. Et derrière, il y a papa et Toi. Voilà, notre là-bas, il trace. Et carrément. Il y a les petits bébés au fond, t'as vu? Ils vont venir, tu crois? Oh, regarde comme ils le foncent dessus! Tout ça pour avoir du pain. Vas-y, Maxence. Tu veux faire des petits bouts? Non,
mange. Vas-y, jette-le. C'est du bon pain, donc on va pas en jeter beaucoup, c'est juste pour vous faire plaisir là. Allez-y, vas-y. Jette-le. Ouais, regarde. Bravo Toby. Ils l'ont pas vu. Regarde les bébés, ils arrivent. Et c'est pour ça que le terre part. À la fin, mais elle repart. C'est trop mignon. Tu crois qu'elle leur donne là dans la bouche? Elle leur a donné mon cœur. Tu donnes à la maman? Ouais. Il y a là le canard là, il y en a là devant. Eh, il voit pas. Là. Regarde l'autre comme elle arrive trop vite. Carrément. Et les bébés, ils sont au milieu là. Hein. Elle va leur donner. T'as vu Maxence? Elle le prend, elle l'emmène pour les bébés, mon bonhomme. Tiens, regarde lui. Mais il y en a plus, ça y est. Vous avez jeté un bout chacun. C'est trop mignon. Elle l'a pris, elle les emmène pour ses bébés. Oui, moi, je suis papa. Hein, c'est dommage, ils n'ont pas vu celui où il a jeté. Regarde, elle va venir chercher celui-là. Regarde. T'as vu, elle prend ton bout de pain, moi, t'es. Elle va l'emmener à ses bébés. Elle dit donc. Et tout à l'heure, elle a attaqué ceux qui sont là, là. Elle leur a foncé dessus en volant, quoi. Pour pas qu'ils prennent le bout de pain. Oh, les petits bébés. Là, on peut le faire un petit peu tous les jours. Comment elles foncent? Non, mais il n'y en a plus. Oh là là, comment elles foncent. Ah, il y en a encore un. Hop, voilà. Ah oui, j'avais pas vu. Ah, il est trop mouillé. Ah, il est trop gros aussi, ce petit bout de pain là. C'est la mine qui a gonflé. Hop, elle a pris un bout. Et hop, il y a l'autre canard qui vient venir chercher un bout. Regarde les bébés. On les entend. Je sais pas si vous les entendez, vous. Mais ils piaillent. Ils ont pris ton bout de pain, ça y est. C'est trop mignon. Le pain d'Amaury va donner à manger au bébé, t'as vu? On a vraiment de la chance de voir ça. Et ils sont tout frais, les bébés. Hein. Oh, comme on les voit super bien. Comment on dit un bébé canard, mon Max, tu sais? Un canouton. Un canouton. Une vache. Vous entendez, les enfants? Elles réclament. Oh, ils sont vraiment devant nous, hein. On n'aura plus de temps pour nous. Oh, regarde! Elle est sortie! Oh, les bébés, ils sont juste là! Ils sont trop mignons! Je trouve ça trop stylé, on a vraiment de la chance. C'est trop énorme. Oh, ils sont trop beaux! Vraiment, tout est trop beau! Eh, ils n'ont pas grand-chose, hein, quand même, non? De qui? Bah, de jour de naissance, à mon avis. Andrea, la peur, regardez. Elle se colle à moi. Non, mais c'est rien, ma puce. C'est rien. Canard, ma puce. Oh là 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 là. Oh, regardez comment elle les attaque. C'est énorme. Ah, mais c'est parce qu'elle veut pas qu'ils prennent à manger. Andrea, ce n'est rien. Ce n'est rien. Allez, on va rentrer. Coucou. Il est, je sais pas quelle heure, je vais regarder mon téléphone. Il est quelle heure? 17h32 précisément. Une petite puce qui vient de se réveiller, qui est restée dans le lit un petit peu avec maman. Une maman qui a pris une sieste avec la petite puce. Oui, on y va, t'es réveillée maintenant. Les garçons aussi sont à la sieste. Regardez pas trop ma tête de fatiguée. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous montre ma tête de fatiguée. Mais on a décidé cet après-midi que les garçons faisaient une sieste. Et je tenais pas non plus. Donc je me suis mis au lit. Avec la puce. Ouh. Pardon. Ça fait quand même bien du bien de dormir. De reposer. J'ai les cheveux dans tous les sens. Et c'est la piscine qui fait ça. Je peux vous avoir coiffé. Coucou, Herbic. Oui? Tu veux venir avec maman? On y va? Ouais, elle vient me chercher. Donc finalement, je vous ai pas dit, je vous ai montré, j'avais dit qu'Andrea, on la mettait dans la chambre des garçons, donc de l'autre côté là-bas. Et ben finalement, on a poussé le lit au plus près qu'on pouvait de l'armoire pour qu'on puisse y aller quand même, parce qu'on a rangé nos vêtements là-bas. Et on a posé le lit ici près de la fenêtre où on ferme les rideaux le soir. Elle dort très bien et je préfère qu'avec les garçons qui se couchent tard, se lèvent tôt. Ils sont très embêtants. Les pupus. Donc elle dort avec nous. On y va? Ouais, on y va. Hein. Regardez-moi toutes ces bouclettes. C'est encore pire avec la piscine, je trouve. Il y en a partout. Oui, ma puce.
On y va. On va prendre un petit goûter peut-être. Oui? Qu'est-ce que tu fais? Elle fait le lit. Une vraie petite fille. Elle est trop mignonne. En tout cas, elle a bien dormi. Bien reposée. Parce que ce soir, on a décidé qu'on allait à la piscine. Un peu le soir, il y a moins de monde. On va profiter encore. Ah, parce que ce matin, c'était super aussi. Bon, allez, je vous laisse. Assez de blabla comme ça. De petite fille au réveil. Ah, t'es belle. Oh, on le voit trop bien. T'as vu Maxence? Vous avez vu, on a été se promener, on n'est pas allé se baigner. On a été faire un petit peu de du lac. Là, je commence à préparer à manger. On a une pâte avec du steak haché. Truc tout simple. Hop. En attendant, on se prend un petit apéro en famille. On a un problème de suite là. Ah, c'est bon. Ça va bien. Bah, t'as pris un saucisson? Oui. Vas-y, tu goûtes. Ça va être dur à manger ça. Bien installé devant la télé. Oui. La carte au trésor, oui. C'est bien. Allez, Amaury, vas-y, installe-toi. T'as pas de place là. Ah, d'accord. Ok. Tout le monde. Oula. Là, je vous prends, il est 9h30. Ah, même un peu plus de 9h30, j'irai 45. On a bien mangé. Alors les steaks hachés, j'ai archi cuit, j'ai un petit peu oublié. Alors c'était pas très bon, on a surtout mangé des pâtes que j'avais fait en trop grosse quantité. Donc là, on est tombé sur la carte au trésor sur France 3. Ça fait belle lurette qu'on n'avait pas regardé ce genre d'émission, les enfants. Oh, c'est trop bien, il y a les hélicoptères, ils cherchent des trucs. Donc on regarde l'émission. Franchement, ils sont à fond et puis nous, ça permet de découvrir aussi une région. Donc on regarde ça, après ils vont aller au dodo. Nous aussi, après on va aller se coucher. Et puis voilà, la journée a été bonne. Finalement, on n'a pas été se baigner ce soir, on a été se promener. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je me souviens plus.
Mais bon, bonne journée. Demain, j'espère qu'elle sera tout aussi bonne. Les enfants un petit peu plus sages, parce que cet après-midi, ça n'a pas été ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas été se baigner. Ils ont fait une crise pour aller à la sieste. Au bout d'une heure seulement, ils se sont endormis. Puis quand on a fallu partir, ils n'ont pas voulu. Ils ont piqué des crises. Enfin, ça a été quelque chose. Donc, on s'est promené. Prendre l'air a fait du bien. Mais j'espère que demain, ce sera mieux quand même. Donc voilà, ben moi je vous laisse là-dessus, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain, et si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, et à vous abonner.